Je vois plutôt une bonne compétition parce que j'ai pas mal encaissé ces derniers temps et je trouve que je commence à remonter là un peu. Donc maintenant, ouais, j'ai beaucoup de travail encore et je me réjouis de pouvoir faire ça et j'espère que je vais pouvoir mettre les choses en place parce que c'est important parce que le temps il passe. Donc ça va être du travail tous les jours. Ouais, je pense que j'ai du travail encore dans mon judo. J'ai essayé d'intégrer des nouveaux éléments et je pense que ouais, je suis pas encore là où j'aimerais être quoi. Donc j'ai du boulot à faire. Je suis contente parce qu'on va enchaîner avec pas mal de randori aussi cet été. On a planifié plusieurs stages. Donc je pense que ça va me faire du bien et j'espère que je vais rester en bonne santé parce que je suis contente là maintenant, je suis en bonne santé. Donc du coup, ouais, j'arrive mieux à m'exprimer. Mais il faut que j'insiste sur certains points pour que je sois plus efficace en fait dans ce que je fais. J'espère que je vais pouvoir rester en bonne santé et puis ouais, que les autres aussi, parce que c'est vrai que Ludovic il a fait 3e, donc ça m'a fait super plaisir pour lui. Et j'espère qu'on va tous pouvoir rester en bonne santé et puis continuer le boulot pour pouvoir performer quoi. Donc tu donnes rendez-vous à tout le monde au Mondiaux? Bah, il faut passer la sélection, donc puis là j'ai encore un été à faire et puis on verra si je serai sélectionnée, mais c'est le but, ouais. C'est quoi le programme cet été là? Là je vais rentrer, on va tous rentrer assez vite dimanche. Demain il y a encore les 90 qui vont combattre, donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis après on va repartir directement, certains en Mongolie, d'autres aux Universiades. Personnellement, je vais rester en Mongolie pour le stage et puis encore des entraînements supplémentaires après. Et je vais directement continuer sur la Russie. Ensuite, je suis rentrée et puis je vais travailler en Allemagne. Je pense qu'on a de la chance de pouvoir avoir des bons partenaires et profiter de cette situation pour bosser mon judo.